Bonjour, bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami, Zou et vous. Zou, j'ai un ami, oh, oh. Zou, j'ai un ami, Zou, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. La course de bateau de Zou. On a bientôt fini de ranger, Zou. On va pouvoir aller au parc. D'accord, papy. Oh. Ah. Ah, je vois que tu as trouvé le bateau de ton papa. On s'amusait bien avec quand il avait ton âge. Il lui faudrait juste une couche de peinture et de nouvelles voiles. Dessine le contour des voiles là-dessus, Zou. Et ensuite, je découperai les formes pour en faire de nouvelles. Oui, papy. Bien, moi, je vais commencer à peindre. Parfait, Zou. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est un bout de ficelle pour les attacher au mât. Et ouais. Et voilà, c'est presque fini. J'ai l'impression qu'on n'a plus de colle. Oh. Si on allait en chercher chez Monsieur Zoé. D'accord, papy. Ensuite, on ira faire naviguer ce beau bateau au parc. Super, papy. C'est le capitaine Puck. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Bonjour, Zelda. Bonjour, Zinia. Bonjour. Dis donc, Zou, tu en as un beau bateau. Oh, je peux le voir. Moi aussi, j'ai un bateau. Mais le mien est télécommandé. Bonjour, Zou. Oh, il est super, ton bateau. Il était à mon papa. On va le faire naviguer au parc. Oui, on était en train de le réparer, mais on s'est trouvé à court de colle. Oh. Tenez. Parfait. Oh, allons à la plage. Pour faire une course de bateau, ce sera beaucoup plus amusant. Je peux, papy? Si tu veux, Zou. Rendez-vous à la plage pour la course. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et moi aussi, je viens. On fera équipe, Zou. Amusez-vous bien. Je ne pourrai jamais gagner la course contre Zinia. Son bateau est télécommandé. Il sera beaucoup plus rapide. Oh, Zou, tu as un très joli bateau. Et tout ce qui compte, c'est s'amuser. Tiens, c'était la casquette de ton papa. Maintenant, tu es fin prêt pour cette course. Merci, papy. Tu es le capitaine Zou. Coucou, Zou. Attends-nous. Prêt pour la course? Même si on sait tous que mon bateau est meilleur que le tien. Ne sois pas si sûre de ta victoire, Zinia. Je suis le capitaine Zou. Puck, le bateau de Zinia est vraiment génial. Il a l'air super rapide. Mon bateau va gagner à tous les coups. Ne t'inquiète pas, Zou. Ce petit bateau a gagné bien des courses. Et en plus, maintenant, il est comme neuf.
Mais il n'a pas de moteur, lui. Parce qu'il n'en a pas besoin, mon petit Zou. Le vent et la mer le porteront. Très bien, les enfants. Vous pouvez commencer la course de ce côté de la crique, puis vous continuerez sous la jetée. Et le premier bateau arrivé à l'autre bout de la plage sera le vainqueur. Attention à vos marques. Prêt? Partez! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon bateau avance à reculons! C'est toi qui mène, Zou! Youpi! Je tenais la télécommande dans le mauvais sens! Allez, le bateau de Zou! Ça ne fera pas avancer plus vite, Poc! Ma voile est tombée! La ficelle s'est détachée! Bravo, Poc! Oui! Oui, bravo! Alors ça, c'est pas juste! Allons, Zinia, ton bateau a un moteur. Celui de Zou n'a que le vent pour avancer. Des algues! Fais attention, Zinia! Ça va, maman! J'ai déjà perdu trop de temps! Mon bateau peut y arriver! Fais marche arrière, Zinia! Ça devrait le décoincer! D'accord! Merci, papy! Oh! Je crois que tu vas dans le mauvais sens, Zinia! Allez, Zou! Elle est loin derrière, maintenant! C'est pas trop tôt. Bon, Zou, prépare-toi, je vais te rattraper. À plus tard, Zou. Ne fais pas cette tête, Zou. Garde courage. Ce n'est pas encore fini. Oh, mais... Oh, Zinia, à cause de toi, mon bateau va chavirer. Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès, Zou. Zou, il va... Il va couler. Oh, je veux pas voir ça. Il est solide, ce bateau. Ça va aller, tu verras. Si tu le dis, papy. Oh, je préfère ça. Il a arrêté de tanguer. Je t'avais dit que tout s'arrangerait. Regarde, le vent le pousse bien. Continue, tu te débrouilles très bien, Zou. Zou, tu es en tête. Oh, ton bateau va super vite, youpi. Regarde, Zach, il arrive. Oh, je le vois pas. Moi non plus. Oh, merci, papy. J'arrive pas à le décoincer. Oui. 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 J'ai gagné. Vive l'équipe de Zou. Félicitations, Zou. Mon bateau. On dirait que Zinia a quelques petits problèmes. Et si on allait l'aider? Bonne idée, Zou. Bravo, Zou, c'est toi qui as gagné. Oui, Zou, bravo. Toutes mes félicitations. Merci, Tante Zelda. Tu as besoin d'aide, Zinia? Oui, s'il te plaît. Mon bateau ne veut plus avancer droit. Je peux pas le ramener vers le bord. Voyons voir si nous pouvons faire quelque chose.
Si on éteint le moteur de ton bateau, on pourra peut-être l'attraper. Oh oui, papy. Et voilà. J'imagine qu'il ne marchera plus jamais maintenant. Oh mais si, Zinia, je peux le réparer dans mon garage. C'est vrai? Eh oui, c'est vrai, ne t'inquiète pas. Venez, l'air de la mer m'a ouvert l'appétit. Rentrons à la maison manger de la tarte aux pommes. Oui. Papy, tu pourrais me faire des voiles pour mon bateau? Comme ça, à la prochaine course, je serai sûre de gagner. Zou et le ballon de football. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Zou. Tu vas jouer au football? Oui. On aurait besoin d'un quatrième joueur, Madame Zoli. Est-ce que ça vous tente? Non, je n'ai pas mes chaussures à crampons sur moi. Hein? D'accord, Poc. Tu peux jouer aussi. Mais on a quand même besoin d'un autre joueur. Allez. Oui, c'est d'accord. J'adore jouer au football. Oh non! Oh, on fait attention! Oh, désolé. Garde ton énergie pour le terrain de foot, Zach. Allez, on y va. Au revoir, Monsieur Zoé. Bon match, amusez-vous bien. Dis donc, tu as un sacré coup de patte, Zach. Mais où est-ce qu'il est passé? Je ne retrouve pas le ballon. Oh, rassure-moi, je n'ai pas perdu le ballon. Tu as bien failli, mais je l'ai retrouvé. Où ça? Là. Oh, mais ce n'est pas un ballon, ça. Maintenant, si. Hein? Oh là! Bien vu, Poc. Ça va dans la poubelle. Alors, Zinia, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? N'est-elle pas magnifique? Oh, qu'est-ce que c'est, maman? C'est une boule à neige, regarde. Oh. Wow. Oh, c'est superbe! Je peux jouer avec? On n'a pas le temps, ma princesse. Je pars justement la livrer. Mais tu peux venir avec moi, si tu veux. Oh oui, s'il te plaît, papa! À toi, Zach. À toi, Zou. Oh, Yama, faute. Penalty. Zut. En effet. C'est toi qui vas tirer le penalty, Zach. Allez, vas-y. On a le droit d'avoir deux gardiens de but? Mais seulement pour cette fois. Et Zou, le champion des gardiens? Manque la balle. Oh oui! But!
Oh, joli but, Zach. Mais tu ne risques pas d'en marquer un autre. Oh, pourquoi? Eh bien, tu as envoyé le ballon à des kilomètres. Oh, on ferait mieux d'aller le chercher. Je suis vraiment une bonne livreuse, hein, papa? Mais oui, Zinia, chérie, tu es une excellente livreuse. Oh, s'il te plaît, papa, on peut aller jouer dans le parc. Eh bien, nous avons une livraison à faire. Et... Oh, s'il te plaît, papa, j'ai très envie de jouer. Bon, alors pas très longtemps. Oui. Papa, je veux que tu me fasses aller le plus haut possible. Non, il n'est pas là. Oh. Hein? Tu l'as trouvé? Ah. Oh, ce n'est qu'un verre. Mais Poc, on cherche un ballon de foot, pas des vers de terre. Oh, hein? Oh, ça alors! Deux fois dans la même journée? Plio! Je pense que ça suffit, Zinia. Oh. Oh non, papa, continue, s'il te plaît. Oh. D'accord, mon petit ange. Je l'ai trouvé. Hein? Je l'ai trouvé. Bravo, Zach. Écoute, Zinia, c'est l'heure. Allons faire notre livraison. Oh, oh bon, d'accord, papa. Bon, elle est plus là? Quoi donc? Notre boule à neige! Oh, non! Et voilà. Maintenant, on peut recommencer à jouer. Oh, oh. Oh. C'est pas un ballon. C'est... En tout cas, je suis sûre, c'est pas un ballon. Quelque chose me dit que ça vient de chez Tante Zelda et Tonton Xavier. Mais ils jouent pas au foot, si? Mais Zach, c'est pas un ballon. Oh, c'est vrai. Tu vois, ce sac vient de leur magasin. Alors on ferait peut-être bien de leur rapporter. Mais et le ballon de foot, alors? Ne t'inquiète pas, on le cherchera après. Oui, voilà. J'aimerais commander une autre boule à neige. Tu aurais dû faire plus attention. Mais Zinia avait envie de jouer dans le parc. Oui, le plus tôt possible, s'il vous plaît. Nous ne voudrions pas décevoir notre client, n'est-ce pas? Mais comment as-tu fait pour la perdre? Le parc n'est quand même pas si grand que ça. Oh. Salut, Zinia. Bonjour, Zou. Bonjour, Zach. Ah, Tante Zelda. Est-ce que tu as perdu une boule à neige? Oh, oui, un instant, s'il vous plaît. Tu l'as trouvée? Oh, merci. Regarde, Zinia. Oui, on l'a trouvé en cherchant notre ballon de foot. On était en plein match, il y a eu un pénalty et c'est moi qui ai tiré. Et j'ai tapé vraiment fort dans le ballon et ensuite... On l'a perdu. Ah oui. Eh bien, merci. Merci infiniment. Oh. Oh, non, non, tout va bien. Vous pouvez annuler la commande, merci. On dirait que vous avez besoin d'un nouveau ballon, les enfants. Oui! Bien, nous allons vous en chercher un autre. Le meilleur de tous les ballons. Et une petite minute. Qui va livrer la boule à neige? On pourra faire de la balançoire sur le chemin. Merci, Tonton Xavier. Il est encore mieux que mon ancien ballon. Il n'y a pas de quoi, voyons. Tu veux jouer avec nous? Eh bien, pourquoi pas?
Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Tu as trouvé un autre verre? Et non, ce n'est pas un verre, Zou, c'est ton ballon de foot. Bravo, Poc. Zach, est-ce que tu veux jouer avec mon ancien ballon? Waouh! Oh, génial! Merci! À toi, Zach. À toi, Xavier. Jolie tête. Oh, désolé. Je ne savais pas que tu étais footballeur, Xavier. Moi non plus. Zou et le concours de Château de Sable. Quelle belle journée! On ne pouvait pas rêver mieux pour notre concours. J'ai hâte de voir tous ces beaux châteaux de sable et de les départager. Tu feras une très bonne juge, mamie. Tu vas me laisser gagner. Dis donc, Zou. J'ai dit ça pour rire. À l'époque, on va chercher ma pelle et mon seau. Et voilà, Zou. Merci, papy. Oh, et on aura aussi besoin de ça. En route. Merci, mon chéri. Je vais faire un gros château de sable avec plein de tourelles. Moi, je vais faire un château de contes de fées. Bonne idée, moi aussi. Oh, et ben moi, je vais décorer le mien avec de jolis coquillages. Ah oui, moi aussi. Oh, j'ai quelque chose d'autre à mettre dessus. Oh, notre petite Zinnia est si créative. Certains des châteaux de sable qu'elle a construits sont tout simplement merveilleux. Je n'en doute pas. Mais je suis certaine que tous les châteaux seront superbes. Moi, je vais faire le plus beau château de sable de toute ma vie. Les enfants, le concours de château de sable va bientôt commencer. Règle numéro 1, amusez-vous. Souvenez-vous que vous pouvez décorer vos châteaux de sable avec tout ce que vous désirez. Vous avez jusqu'à midi, puis ce sera l'heure du pique-nique. Oui! Et les adultes n'ont pas le droit de vous aider. Vous êtes prêts? Non, j'ai dû laisser tomber ma pelle. Comment je vais faire mon château maintenant? Avec un coquillage, Zou. Tu n'as qu'à en trouver un gros. Super idée, papy. Hein? Ah. Non, trop petit. Trop petit. Merci, Poc. Non, trop petit. Hein? Parfait. Waouh, regarde toutes ces petites bêtes. Ah, tu as vu? C'est très intéressant. On reviendra plus tard. J'ai un concours de château de sable à gagner. Je vous rappelle que les adultes n'ont pas le droit d'aider les enfants. C'est très bien, Elsie. Super! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est parce que ton sable est trop mouillé, Zou. Rajoute un peu de sable sec. Oui, comme ça, Zou. Bravo! Je ne l'aide pas vraiment. Je sais que c'est contraire au règlement. Ma petite Zinnia est une véritable artiste, même avec le sable. Je suis sûre qu'elle va gagner le concours. Certainement, Zelda. Mais gagner, ça ne fait pas tout. L'important, c'est que les enfants s'amusent. Oh,
Oh, ben moi, ça me fait plaisir de passer une journée à la mer. C'est si bon de pique-niquer. Et maintenant, ma surprise. Des fées pour mon château de contes de fées. Oh! Excusez-moi, madame la juge, c'est permis de mettre des jouets sur un château de sable? Oh, mais oui. Comme je l'ai dit au début, on peut décorer les châteaux comme on veut. Ne t'inquiète pas, Zinia, je vais aller au magasin te chercher de jolies lumières. On n'a pas le temps, papa. Le concours se termine à midi. Alors je vais t'aider, ma petite puce. Xavier, non. Bon, eh bien, les adultes ont le droit d'aider les enfants maintenant. Oh, chouette! Allez, Zou, on va construire le plus beau château de sable. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Elsie? Des coquillages pour décorer les murs, ce serait super. D'accord. Merci, maman. On peut mettre les touffes du château Zoé ici, Zach. Oh, bonne idée, papa. Et nous, on peut mettre nos touffes là, Zinia. Il faudrait quelque chose pour décorer. Et servons-nous du coquillage, Zou. Ça fera un très joli motif. Ah oui, c'est bien ça, papy. On va en mettre partout. Oh, tu pourrais faire pareil, Zach, pendant que je travaille sur les douves. D'accord, papa. Ça alors, ça suffit. N'oubliez pas que nous sommes là pour nous amuser et que seuls les enfants auront un prix. D'ailleurs, ils vont finir tout seuls. Mais les douves, je ne les ai pas encore finies. Maintenant, elles le sont. Désolé, je n'ai plus le droit de t'aider, Zou. Ce n'est pas grave, papy. Je peux y arriver tout seul. Parfait! C'est bien ma fille, ça. Elle a de la ressource. Tu sais, papy, il me faudrait un petit détail en plus pour mon château, comme Elsie et Zinia. Et Zou, tu n'as pas apporté de jouets. J'ai bien aimé la petite mare avec les bêtes dedans. Je peux en faire une dans mon château de sable. Ah ça, alors c'est une très bonne idée. Oui, mais il faut que je trouve quelque chose pour empêcher l'eau de sortir. Merci, maman. Tout est prêt, papy. On peut retourner à la petite mare maintenant. Je vais prendre cette étoile de mer. Et ce coquillage. C'est une moule, Zou. Et ça, une palourde. Et ça, c'est un petit poisson. Ça, je le savais, papy. Je vais prendre ces galets et les mettre dans la mare de mon château. Zinia, tout simplement merveilleux. Et maintenant, une photo souvenir du château gagnant. Papa, regarde ce que t'as fait. Désolée, ma chérie. Je te promets que je vais me rattraper. Tu pourras avoir tout ce que tu voudras. C'est pas grave, papa. Je sais que tu l'as pas fait exprès. Mais maintenant, je suis éliminée du concours. J'aurai pas le temps de construire un autre château de sable. Zinia, si tu veux, tu peux toujours m'aider à finir le mien. Ah, merci, Zou. Avec plaisir. Ça, c'est très gentil, Zou. Très joli, Zach. Bravo. Merci. Ces fées sont vraiment magnifiques, Elsie. Merci.
Zinia et Zou, votre petite mare est ravissante. Merci. Les douves ne sont pas mal non plus. Tout le monde s'arrête maintenant. Je vais annoncer le nom du gagnant. Merci à tous. Bien sûr, tout le monde a gagné, mais le prix revient à Elsé. Oui. Hein? Merci. Bravo, Elsé. On fera mieux l'an prochain. Bravo, Elsé. Ton château de contes de fées est vraiment magnifique. Merci, Zinia. Oh, Xavier. Regarde ce que tu as fait. Papa. Tout ça, c'est la faute du crabe. Regardez. Reviens. Reviens, si je te parle. Zou joue au cricket. Vas-y, Zou. But. Tu crois qu'on peut le réparer, papy? Oh, je pense que oui, Zou. Je m'y connais plutôt bien en réparation de vases cassés. Seulement, la prochaine fois, il faudra qu'on se souvienne que le salon n'est pas l'endroit idéal pour jouer au foot. La première chose qu'il nous faut, c'est de la colle. Si j'arrive à me rappeler où j'ai bien pu la mettre. Voyons voir. Non. Là, peut-être. Oh, mais vous. Bien sûr. La voilà. Merci, Puck. Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, ça alors. Ça fait un bout de temps que je l'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est, papy? Ça? C'est une tapette à grosse mouche. Mais non, ce n'est pas ça. Ben non, bien sûr que non, Zou. C'est une batte de cricket. Tout va bien, Puck. Papy ne l'a pas fait exprès. Mais c'est quoi le cricket? C'est un sport. C'est même le plus beau sport du monde. Et les règles sont assez compliquées. En gros, on le pratique comme ça. Le lanceur envoie la balle dans ta direction et tu dois la frapper. Il faut trouver une balle. Je peux m'entraîner avec ta balle, papy? Mais oui, bien sûr. Mais cette fois, il vaudrait peut-être mieux aller jouer dehors. Dans le jardin. Eh bien, à mon avis, il y aura peut-être plus de place à la plage. À la plage? Super! Oui, mais d'abord, on ferait bien de réparer ce vase. Devinez quoi? Papy a dit que... Oh! Bonjour, Zinia. Bonjour. Zinia est venue jouer avec toi. Ah, super. Oui, Xavier et moi devons organiser un événement très important pour faire de la publicité à notre magasin. Nous avons pensé que Zinia aimerait bien venir jouer avec toi. Au revoir, ma chérie. Au revoir, Zelda. Au revoir. Au revoir, Zou. Alors, qu'avez-vous envie de faire? Zou, qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Le vase qu'on a réparé avec papy. Ah, mais je ne savais pas qu'il avait été cassé. C'est-à-dire que... il a eu un accident. Mais on va aller à la plage parce que là-bas, on peut pas casser de vase. À la plage? Oh, chouette, chouette! On va jouer aux pirates et je pourrais être la courageuse reine pirate qui vogue sur les flots à la recherche d'un trésor. Nous, on va jouer au cricket. Oh, c'est quoi le cricket? Eh bien, on se sert d'une batte et d'une balle. Est-ce que les pirates jouent au cricket? Ah oui, ils adorent ça. Alors, comment on y joue?
Alors, le batteur se tient ici, juste devant ses piquets. Et le lanceur, ici. Oui, donc le lanceur envoie la balle et le batteur doit la frapper. Et après, tous les autres joueurs peuvent jouer aux pirates. Eh bien, peut-être plus tard, car avant cela, les autres joueurs essaient de rattraper la balle une fois qu'elle a été frappée. Et si l'un d'entre eux la rattrape, le batteur est éliminé. Un nouveau joueur prend sa place. Mais s'il a tapé la balle bien fort, il se met à courir. Où ça? Jusqu'à ce piquet là-bas. Lorsqu'il court d'un bout à l'autre du terrain, ça s'appelle un run, c'est-à-dire une course. L'équipe qui réussit le plus de runs gagne le match. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux jouer aux pirates. J'ai une idée, on pourrait jouer aux pirates et au cricket. Nous, les pirates, on jouerait contre les adultes. Ouais, Youpi. Je l'ai. Elle est sortie. Hurrah. Alors. Bien joué, Puck. Puck, les pirates. Ça m'a tout l'air d'être un trésor, en effet. Mais comment est-il arrivé ici? Peut-être. Peut-être qu'il a été abandonné par des vrais pirates. Et s'il décide de revenir le chercher? Rassure-toi, Zach. Je suis là, moi. Avec Papy, on vous protégera de ces pirates. Pas vrai, Papy? Bien sûr qu'on les protégera, Zou. En attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? On ne peut pas le laisser ici. Peut-être qu'on devrait l'apporter au musée de la ville. Eux, ils sauraient quoi en faire. Non! Oh non! Ce sont les pirates! Non, je ne pense pas, Zinia. Toi, tu restes avec Mamie Poc. Vous surveillez le trésor. Je crois que ce sont ton papa et ta maman, Zinia. Mais puisque je te dis que je l'ai posé ici... Alors où est-il passé? Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Zinia? Je croyais que... Qu'est-ce que vous faites là? On joue aux pirates et aux sauterelles. Au criquet. Vous n'auriez pas vu un grand coffre dans le coin par hasard? Si. Il est plein d'assiettes, de gobelets et de couverts. C'est bien ça. On avait prévu d'organiser un barbecue spécial pour certains de nos clients les plus importants. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire de la publicité à notre boutique. Il est là-bas, sur la plage. Et on n'a rien pour servir à manger. Oh. Attendez, vous l'avez trouvé? Oui, oui. Oh, c'est merveilleux. Où est-il? Sur le terrain de cricket. Allez, suivez-moi. C'est moi qui l'ai trouvé.
Eh bien, c'est une chance que ce soit l'un d'entre vous qui l'ait découvert, si quelqu'un d'autre que toi était tombé dessus. Surtout qu'il est rempli d'or et d'argent. Oh, 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 cette vaisselle n'est pas vraiment en or et en argent. C'est bien fait, mais en réalité, c'est du vulgaire plastique. Oh, oh mais tu n'as pas fini de faire l'âne, Xavier. Bon, la fête que nous avons prévue devait commencer un peu plus tard. Mais puisque nous avons déjà des invités et tout ce qu'il faut pour leur servir à manger, on pourrait peut-être commencer tout de suite. Oui, alors ! Xavier, sois gentil, va chercher la nourriture. Viens, je vais te donner un petit coup de main. Nous, pendant ce temps-là, on n'a qu'à rejouer au criquet ! Oui ! Joue à cache-cache. Zou! Hé, hey, Elsée! Tu tombes bien! On allait commencer un jeu! Génial! À quoi on joue? Un jeu qui demande de la concentration, de la patience et de la ruse. C'est cache-cache! Youpi! Et vous savez comment on joue? Tu peux nous rappeler les règles? Elsée a peut-être oublié. Oh, ça m'arrive aussi d'oublier des choses. Eh bien, les règles sont très simples. L'un de nous trois va fermer les yeux et compter jusqu'à 20. Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont se cacher. Et après, celui qui compte doit les chercher. Exactement. Alors, qui veut chercher en premier? Moi, moi! C'est moi qui vais compter! Ah, et pourquoi toi et pas Elsée? Parce que je sais très bien compter. Et en plus, j'adore chercher les choses. Et Elsée est très forte en cachette. Eh bien, c'est d'accord. Mais faisons deux manches, entendu? Et il y aura une très belle récompense pour le gagnant. D'accord, je vais compter. 1, 2, 3... Je vais me cacher derrière la barrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est, j'arrive. Haha, je t'ai vu. Tu m'as trouvé. Oui, et maintenant il ne reste plus qu'à trouver papy. Oui. Mais où est-il? Dans le garage! Oh! J'ai oublié ça. Bah, papy, qu'est-ce que tu fabriques? Oh! Eh bien, je fais le tri dans mes affaires. Mes outils de bricolage sont tout mélangés. Et oh, que font ces vieux draps noirs ici? Mais tu es censé être caché. Ah! Oh oui, j'avais oublié. Bon, je t'ai trouvé alors. C'était pas dur, avec tout ce bruit. J'ai gagné. Ouais, je peux avoir ma récompense? Oh, minute, papillon. On a dit qu'on jouait en deux manches. Eh bien maintenant, c'est à mon tour de compter. Allez vous cacher. Un, deux, trois, quatre... Où est-ce qu'on pourrait se cacher? T'as une idée? Oui, je sais! Dans ma maison! Sept, mais dépêchons-nous! 8, 9, 10... On ne peut pas se cacher là ensemble. On ne va jamais tenir tous les deux. Même si on se met à quatre pattes? On peut essayer. 15, 16, 17... Poc! C'est bon? 18, 19... Les enfants, je viens vous chercher. Vite, ça ne va pas marcher. Trouvons une autre cachette. Oh, je sais. Allons chez Nanou, derrière ces rideaux. Oui, allons-y. Oh, bonjour les enfants. Quelle joie de vous voir. C'est gentil de venir me rendre visite. Nanou, on n'a pas le temps de faire des bisous. Il faut vite qu'on se cache. J'arrive.
Dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer. Super. Je ne ferai pas le moindre bruit pendant que vous vous cacherez. Il ne nous trouvera jamais ici. Ouh, Epoch, il ne joue pas avec vous. Oh, mais si, bien sûr que si. Excuse-moi, Epoch. Attention, j'arrive. Ça va, là-dedans? Vous n'êtes pas trop serré? Non, ça va. Mais chut, Nanou, papy arrive. Tu vas nous faire repérer. Il faut qu'on soit très silencieux, sinon il va nous trouver. Oh, dans ce cas, je ne dis plus un mot. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû vous proposer une bonne tasse de chocolat chaud. Oh, vous avez soif, les enfants? Mais non, Nanou, on joue à cache-cache. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, est-ce que je suis bête? Oh. Vous êtes sûre? Je fais d'excellents chocolats chauds. Si elle continue de parler, papy va nous trouver en moins d'une seconde. Je suis presque là. Écoutez, je vais quand même vous préparer un bon chocolat chaud. Et je vais en faire aussi pour papy. Comme ça, quand il arrivera. Mon petit sabot me dit que la cachette des jeunes zèbres n'est pas loin d'ici. Coucou! Oh, ça ne compte pas, papy. Nanou t'a aidé. Moi? Tu veux bien qu'on recommence? Allez, d'accord. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... Où est-ce qu'on peut se cacher? On pourrait aller chez moi. Oh oui! Papy ne pensera jamais à nous chercher là-bas. Désolée pour le fouillis. Ne t'inquiète pas, ce sera encore mieux pour trouver une cachette. Dites-moi, les enfants, vous ne seriez pas en train de jouer à cache-cache tous les deux par hasard? Oui, où peut-on se cacher? Voyons voir. Et pourquoi pas dans ta chambre? Restez bien tranquille et je ferai comme si je ne vous avais pas vu. Merci, maman. Oh. Ça, c'est ce que j'appelle une chambre bien rangée. Oui. Et si on se cachait là? Oui. Après toi, Poc. Oh. Je crois qu'ils m'ont laissé un indice. Entrez. Bonjour. Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu deux petits zèbres dans les parages par hasard? Oh, dites donc. Mais c'est un magnifique portrait. C'est très ressemblant. Eh bien, c'est que j'ai un modèle qui est très patient. Oh, un miroir! Eh bien, c'est difficile de peindre un autoportrait sans cela. Mais c'est difficile de le tenir en l'air et de peindre en même temps. Je peux peut-être arranger ça. Oh, ce serait vraiment très gentil. Oh, depuis combien de temps on est là? Très longtemps. On abandonne? Non. Papy a dit qu'il faut être patient si on veut gagner. Oh. Et moi, je veux gagner la récompense. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton papy? Il a peut-être encore oublié le jeu. Et si on ouvrait juste un peu la porte pour voir ce qu'il est en train de fabriquer? D'accord. Et voilà. Alors, voyons voir. Tadam! Plus besoin de tenir votre miroir. Oh, merci beaucoup. C'est parfait. Papy, qu'est-ce que tu fais? Tu étais censé nous chercher. On jouait à cache-cache, tu te souviens? Oups, désolé les enfants. Une fois que je commence à bricoler, j'oublie tout le reste. Oui. Bon, le jeu est terminé. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Voyons voir. Un, deux, trois.
Et comme je ne vous ai pas trouvé moi-même, je crois que vous avez tous les trois gagné. Oui. Eh oui, excellente partie du cache-cache. Vous avez été très patient. Vous méritez une récompense qui est... Oui. La récompense est... un portrait des trois champions de cache-cache, bien sûr. Youpi. Je crois que j'ai une idée de costume pour nos jeunes champions du camouflage. Eh bien voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On ressemble vraiment à des champions de cache-cache. Même qu'on peut disparaître à n'importe quel moment. Mais où sont-ils passés? Ah, je vois, c'est une nouvelle partie de cache-cache. On est là! Zou et les extraterrestres. Oh, c'était notre dernier film sur les extraterrestres. Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy? Ça, c'est difficile à dire, Zou. Tu sais, l'espace, c'est très grand. Ils nous rendront peut-être visite un jour. Ils seront gentils, tu crois? Oh, oui, j'en suis sûr. Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres. Super! En attendant qu'ils passent nous voir... Tu viens, Elsie, on va jouer. D'accord, amusez-vous bien, les enfants. Attrape. Oui, celle-là, tu la rattraperas pas. Je t'ai eu. Oh. Oh, waouh. Tu as vu ça? Oui. Les extraterrestres. Je vais chercher papy. Dehors. Tu en es sûre, Zou? C'est peut-être juste un avion qui vole bas. Non, ça ne ressemblait pas à un avion. Allez, viens, papy. Il est parti par là. Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants? Maman. On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans. Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou. Il faut aller le chercher. Tout de suite, j'ai envie d'être amie avec eux. Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau. Maman, je peux aller chercher les extraterrestres. Bien sûr, Elsie, tant que tu restes avec papy. Merci, maman. Amusez-vous bien. Viens, on va faire à manger aux extraterrestres. J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit. Oh oui, mamie. Ils viennent de très très loin. Ils doivent être affamés, les pauvres. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre. Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre ou madame l'extraterrestre? Je suis sûre que tu pourrais dire, voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou, bienvenue sur Terre. Puis faire une petite révérence, comme ça. Parfait, bravo. N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme cela. Super. Allez, Elsie, il faut aller chercher papy. Papy, on a les casse-croûtes. Tiens, Zou, ton kit de découvreur d'extraterrestres. De découvreur d'extraterrestres? Tu as un appareil photo et puis une caméra, des jumelles, une loupe et un carnet et un stylo. Merci, papy. Allez, Elsie, on va chercher les extraterrestres. Oui. Ils
Ils ont peut-être un peu peur de nous. On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis. Mais on ne sait pas où ils sont. Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films. Oui, leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre. Ici, je ne vois rien. Pas de traces du tout. Il faut qu'on ait une stratégie. Elsie, tu vas les enregistrer avec ça. Et toi, papy, tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin. Ah, bonne idée, Zou. Moi, je prendrai des photos et des notes. Suivez-moi, allons par ici. Pas un bruit pour ne pas leur faire peur. Hein? C'était quoi ça? Par là, Zou, je viens de voir bouger les buissons. Waouh, si ça se trouve, c'est eux. Vous imaginez la première rencontre zèbre extraterrestre. Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol. C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas. Oui, ça c'est possible. Ils ont peut-être grimpé à un arbre. Ils peuvent être n'importe où. Essayons les parterres de fleurs. J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs. Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur. J'ai vu ça dans un autre film. Couleur extraterrestre 5. Ah oui, je l'ai vu moi aussi. Ils prenaient la même couleur que les fleurs. Ah mais oui, je m'en souviens. Ils étaient attirés par leur parfum. Ils devraient se plaire par ici alors. Chercher les extraterrestres. Oui, moi aussi j'ai un petit creux. Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous. Oui. S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter. Oh non, j'ai laissé la caméra au pied de l'arbre. Vite. Oh, Elsie, la caméra a été allumée. On verra peut-être les extraterrestres. Oh, vous avez entendu? C'est un vaisseau spatial. Je note vaisseau spatial entendu, mais pas vu. Je me demande où ils sont passés. Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets. Venez, on va à l'air de jeu. Regardez par ici! Ce truc argenté, ça bouge! C'est un extraterrestre! C'est quand même petit pour un extraterrestre! C'est Pog qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale! Photo d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestre, hein? C'était quoi? Cachons-nous! Bonjour, Zach. J'ai cru que t'étais un extraterrestre. Nous, on a vu un grand vaisseau spatial argenté. Où est-ce que tu l'as vu? Il était quelque part par là. Ah, oh, c'est là que Pog a trouvé un morceau de combinaison spatiale. Super! Bonjour. Bonjour, oncle Xavier. Tu cherches des extraterrestres, toi aussi? Zach et Monsieur Zoé ont vu leur vaisseau spatial. Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou. Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud. Il était amarré, mais il s'est détaché. Il faut à tout prix que je le retrouve. Et je le cherche partout. Mais on a entendu un pshhh comme les vaisseaux spatiaux. Les ballons, ça fait pas pshhh. Il doit y avoir une fuite et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend. Mais ça, c'est quoi alors? Un morceau du ballon, tout simplement. Alors, il n'y a pas d'extraterrestres? Pas d'invasion? Non, pas aujourd'hui en tout cas. Regardez, le voilà! Là-bas! Mon ballon! Mon ballon! Hein? Après mon ballon!
On te tient, oncle Xavier. À l'aide. Oui. Oula, oula. Merci beaucoup, tout le monde. Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballon. Super. Approchez, approchez tous. J'ai quelque chose à vous montrer. Je vous présente mes amis extraterrestres. Bonjour, je m'appelle Zou. Bienvenue sur Terre. Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser. Bonjour, Zou de la Terre. Je m'appelle... Tante Zelda. On cherche des adhérents au club spatial des zèbres. Vous voulez vous inscrire? Oh oui! Moi aussi! Moi aussi! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace. Ouais. J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club. Et ce jour-là, je serai prêt.